Bien, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle table ronde de l'industrie magnifique autour d'un thème, ma foi, très intéressant, art, entreprise et conscience. Donc, je remercie les organisateurs de l'industrie magnifique, particulièrement Jean Spenel et Michel Bedez d'avoir choisi cette thématique. Je crois que tout le monde va être ravi d'échanger là-dessus. Et avant peut-être d'aborder ce thème à la veille du dernier week-end de l'industrie magnifique, peut-être d'abord vous présenter les personnes qui sont là pour échanger avec moi, qui bien sûr sont toutes et tous liées à cette très belle manifestation qui nous met en joie depuis le 3 juin. Et je dois dire qu'on en avait bien besoin. Et je pense qu'on est tous ravis de participer à cette belle manifestation, que ce soit les acteurs, les artistes, les entreprises, et puis bien sûr le grand public qui a la chance de se balader en plus maintenant par un temps magnifique pour découvrir toutes ces œuvres. Donc ce que je vous demanderais peut-être juste dans un premier temps, c'est chacun en 2 minutes de vous présenter et de nous dire voilà, pourquoi vous êtes sur le plateau, quel est votre lien avec l'industrie magnifique, et après on évoquera le thème. Dorota, on commence par vous. Il a une main ? On m'entend ? Oui. Dorota Bednarek, peintre sculpteur, mon mécène est la société Légendre qui est dans la logistique, le transport et notamment des œuvres d'art. Pourquoi je fais partie de l'industrie magnifique ? Surtout, oui, voilà, nous expliquer quelle œuvre tu as réalisée et où est-ce qu'elle est située. Très bien. Donc j'ai réalisé un monolithe. Je l'appelle la lumière de Sirius. À cause de ses connotations spirituelles, plus tard peut-être on aura le temps de rentrer un peu plus profondément dans ce sujet. Le monolithe, il symbolise la conscience, déjà inspiré de l'Odyssée des mille lunes de Stanley Kubrick, où un monolithe noir apparaissait dans les moments clés de l'humanité, qui était censé nous propulser plus loin. Mon monolithe, symboliquement, représente aussi une conscience humaine cette fois-ci, puisque j'ai l'impression que plus que jamais, aujourd'hui, on a besoin d'un retour sur soi, un retour sur le monde qui nous entoure, pour peut-être tendre vers un monde meilleur. Bon, on va développer tout ça. Je sens que, Dorota, c'est un thème qui te va très bien. Claude Monchin. Philippe Ichard, excusez-moi. Philippe Ichard, on va faire ça dans l'ordre. Bonsoir, donc Philippe Ichard, je représente la société Pegasus et nous sommes spécialisés dans les installations électriques mobiles avec une spécialité, l'énergie autonome et l'éclairage également. Et donc notre coup de cœur était justement d'éclairer et de mettre en lumière cette belle œuvre de Dorota. De manière complètement autonome, c'est ça, en énergie. Complètement autonome, c'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure. Absolument. Catherine Gangloff. Oui, bonsoir. Voilà, je suis Catherine Gangloff, je suis artiste plasticienne et j'ai pour la deuxième fois la chance et le bonheur de participer à l'industrie magnifique avec l'entreprise, la menuiserie Monchin et toute l'équipe. Voilà, et c'est un vrai partage. D'autant plus que cette année, on a fait le pari de travailler avec un matériau qui pour moi est assez difficile au départ. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, le matériau que j'utilisais, c'était vraiment les chutes de bois, donc un rapport avec le toucher, le tactile, les fibres, donc des choses qui semblent vivantes, alors que là, on a travaillé avec un matériau lisse, lourd, et donc ça a été un vrai pari. Et la réalisation, donc, s'est faite avec beaucoup d'informations et un travail d'équipe qui m'a permis d'arriver au bout. Merci Catherine. Donc Claude Monchin. Donc moi je représente la menuiserie Monchin et comme Catherine j'ai la chance de participer la deuxième fois à l'industrie magnifique.
On est une petite entreprise dans le Kohorsberg. On fait de l'agencement intérieur bois, mais depuis une trentaine d'années, on a développé les résines de synthèse, c'est-à-dire le travail des résines de synthèse pour tout ce qui est des aménagements dans la maison, mais également dans le tertiaire et même dans le ferroviaire. Merci. Et donc, notre dernier invité, Fabrice Buzon, cabinet Walter. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis dirigeant associé du cabinet Walter. Donc c'est un cabinet de recrutement de cadres et de dirigeants. Et on travaille particulièrement avec des industriels. Et j'ai rencontré Jean Smenel il y a plus de 4 ans. Et on a été partenaire de l'opération L'Industrie Magnifique. Et là, on est très heureux avec Paul Flickinger. On voit sa statue, l'envol, vraiment au quai des Bateliers, d'être présent cette semaine. C'est un vrai bonheur. Très bien. Ben, merci à vous pour ces présentations. Donc, l'idée, c'est effectivement d'évoquer cette thématique d'art, entreprise et conscience. Pour l'introduire, je dirais que ce qu'ont voulu Jean et Michel, les organisateurs de l'Industrie Magnifique, c'est provoquer une rencontre. Cette rencontre entre une entreprise, une industrie, un artiste et puis une place dans la ville. Et je pense que, connaissant bien les deux compères, ce qu'ils apprécient avant tout dans ces rencontres, c'est de provoquer des prises de conscience. C'est que chacun puisse comprendre ce qui se passe dans l'univers de l'autre. Et je dirais que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On vit dans un monde qui est plutôt un monde cloisonné. On n'a pas l'habitude forcément de faire dialoguer les univers. Et je trouve que ce qui est merveilleux dans l'industrie magnifique, c'est ça. C'est de provoquer la rencontre entre un industriel ou un artisan, un chef d'entreprise et un artiste qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et qui vont finalement générer une prise de conscience de chacun. Alors vous nous raconterez vos histoires, je sais qu'il y a des parcours un peu différents et sur cette prise de conscience on va dire commune, mais ce qui nous paraît intéressant c'est ça, c'est en quoi la rencontre entre l'art et l'entreprise peut provoquer des prises de conscience. De quel type? Et finalement, comment ça nous enrichit tous aujourd'hui? Et puis avec le petit plus, évidemment, de l'industrie magnifique, le grand plus, c'est que ces rencontres, finalement, ensuite, se manifestent de manière réelle dans l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a vos histoires, vos rencontres entre le chef d'entreprise et l'artiste, avec des histoires, des fois, qui sont vraiment très enrichissantes l'un pour l'un et pour l'autre. Mais ensuite, elles se manifestent par une œuvre qui va être présentée au grand public et qui peut générer, elle aussi, une prise de conscience au niveau du grand public. Donc, j'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Et alors, je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je dirais que si on pouvait commencer par la prise de conscience dans la rencontre entre l'artiste et l'entrepreneur. Moi, c'est peut-être ça la première thématique. Alors, Dorota, vas-y, je t'en prie. Et après, on passera la parole à Catherine. Je ne serai pas très lente, je voulais juste dire langue. Pour ce qui est mon partenariat, ma rencontre avec la société Legendre, c'est des gens extrêmement ouverts d'esprit qui ont déjà cette conscience. C'était tout simplement quelque chose de fort et merveilleux. C'était un grand oui dès le départ, les portes étaient grandes ouvertes, mais ce qui était fabuleux pour moi dans l'industrie magnifique, c'est la rencontre avec le public. Parce que j'ai eu des témoignages tellement touchants, et je crois que c'est tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me nourrit à l'intérieur de moi. Et j'ai eu l'impression aussi que les gens qui passaient étaient nourris eux-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau, si ce n'est que de nous rencontrer, c'est à travers l'autre qu'on se rencontre. Vivre pour les partages, c'est magnifique, et je pense que c'est l'essence de la vie, de toutes choses. Ce que tu veux dire, c'est que pour toi, ce qui est vraiment important, c'est la prise de conscience finalement de chacun, donc de l'entrepreneur, de l'artiste et du grand public qui va effectivement être sensibilisé à une œuvre et qui va peut-être du coup voir le monde un peu différemment. Parce que ce qui est important, c'est que l'artiste nous présente une vision du monde qui est différente de celle qu'on a l'habitude de voir habituellement. Complètement, complètement. C'est de nous rapprocher, comme tu disais, dans cette société qui est cloisonnée, de laisser tomber les barrières, nos manteaux qui nous étouffent au quotidien, et juste être soi et s'écouter mutuellement, parce que le public est dans l'écoute et dans le partage. L'artiste partage, mais le public rebondit
Et c'est des témoignages tellement touchants et tellement poignants parfois, et à tous les niveaux d'âge, niveaux sociaux. Là, on est tous égaux. Face à cette œuvre d'art, on est égaux, à nouveau, on est à nouveau humain. Et c'est merveilleux. Très bien. Alors peut-être, avant de laisser la parole à Catherine et à Claude, peut-être Philippe, nous dire, puisque vous avez contribué à l'œuvre de Dorota. Et combien, cette prise de conscience est effectuée et qu'est-ce que vous avez ressenti dans cet échange? Alors déjà, je vais rappeler ce coup de fil. Je me souviens de ce coup de fil un soir d'une artiste en détresse qui cherchait une solution pour éclairer son œuvre. Et donc, bon, on regarde, elle m'envoie un mail, elle me présente son œuvre, du moins une maquette des matières qu'elle utilise. Et là, je me suis dit, il y a un potentiel, il y a des solutions à trouver. On était en pleine innovation technologique dans nos domaines d'activité et j'ai suggéré des solutions. Et bien sûr, la première question était, ça va coûter combien ? Conscience, hein, c'était une première prise de conscience de l'artiste et sincèrement ça a été un coup de cœur. Qui est obligé de garder les pieds sur terre même si la tête est dans les étoiles, n'est-ce voilà. pas. Et en fin de compte, on a abouti à la réalisation de techniques autour de cette œuvre. On n'a jamais parlé d'argent. Tout à fait, c'était merveilleux. Une collaboration. Et j'ai eu carte blanche pour innover, mettre en place des solutions que nous mettons en place dans l'industrie ou dans des activités, notamment dans l'humanitaire, lorsqu'on alimente des campements mobiles, des hôpitaux mobiles, etc. Ça, c'est le cœur de notre métier d'entreprise. Et on a transposé ça sur l'œuvre de Dorota. Et on a donc pu éclairer avec des systèmes autonomes. Avec un système autonome, on a même innové avec on a voulu quelque chose d'artistique, un fût, un ancien fût de pétrole qu'on a transformé en fût qui va stocker l'énergie apportée en journée par le soleil. Et là, comment dire, il l'a transformé en éclairage la nuit pour éclairer cette magnifique œuvre. Et bien sûr, ensuite le côté artiste, c'était et le son. Donc allez, on va trouver une solution pour le son. On a trouvé une solution pour le son ensemble. Voilà. Et je puis pense les textes, c'est très important. Le texte aussi, oui. Projeter un texte. Alors, bien sûr, les exigences d'un artiste, projeter sur un fond noir, brillant, c'est pas toujours évident. Bon, on a trouvé des solutions. Voilà. Donc, pour nous, c'était un terrain d'expression technique en alliant l'artiste, l'œuvre, l'artiste et la technologie. Ouais, et ce qu'on entend bien dans vos explications, c'est qu'en plus, vous y avez trouvé du sens par rapport à ce que vous faites d'un point de vue professionnel et par rapport à la philosophie de Dorota et ce qu'elle veut exprimer dans son œuvre. Il y a vraiment eu une connexion. Tout à fait. D'accord. Et vous savez ce qui est fabuleux, Philippe, c'était vraiment la rencontre parce que pour moi c'est l'homme lumière. J'avais besoin d'une personne comme Philippe. Déjà on s'entend très très bien d'un point de vue amical, mais capacité de trouver des solutions est incroyable. C'est un homme qui est passionné par la lumière. Donc, on a déjà ce énorme point en commun. Très bien, merci. Alors maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à Catherine et à Claude, parce que vous avez une histoire que je trouve très particulière, que j'ai découvert. Et quand on parle de prise de conscience et d'histoire, de rencontre entre un artiste et un entrepreneur et une entreprise, je trouve que votre histoire est particulièrement intéressante. Catherine, si vous voulez bien commencer. Alors, je vais peut-être reprendre le terme rencontre, parce qu'en fait, évidemment, il y a eu au départ une rencontre, mais je dirais même plus, il y a eu des rencontres. Et en fait, la chose la plus importante, ça a été le premier pas dans un lieu. Un lieu que j'ai découvert. Donc là, c'est une rencontre physique avec des sons, des bruits, des odeurs, une équipe. Et donc, on va dire une vision effectivement d'une entreprise, parce qu'il s'agit de la menuiserie. Et puis, à un moment donné, effectivement, le contact, la discussion, l'échange. Et là, ça a été un très, très beau souvenir. Donc ça, je le redis, parce que je l'ai déjà dit, je venais parce qu'il était possible de chercher des morceaux de bois. Et je venais piocher dans un bac. Et voilà, et je suis venue une première fois.
On s'est présenté, je suis revenue, etc. Je suis venue plusieurs fois, jusqu'au jour où Claude Monchin me fait un petit signe de loin en me disant « Ah, j'ai pensé à vous, j'ai quelque chose pour vous. » Et il vient avec une boîte dans laquelle il y avait des morceaux de bois qui étaient totalement dans l'esprit de ce que j'avais pris depuis la première venue dans ce lieu. Et cette rencontre, alors là c'est vraiment avec des majuscules, elle s'est faite parce qu'à ce moment-là c'était une rencontre humaine. Et donc cette histoire n'est pas terminée parce que c'est aussi la rencontre avec une entreprise, avec des personnes qui sont sur des ateliers différents, qui sont très intéressants. Alors il y a ceux qui à un moment donné vont être derrière l'ordinateur, il y a ceux qui vont être derrière la découpe, ceux qui vont être au ponçage. Et ça c'est l'équipe de la menuiserie. Et au bout d'un moment, je vais utiliser le terme famille, parce que c'est aussi la rencontre avec une famille. Une famille, effectivement, qui travaille, mais une famille aussi, qui est la famille Monchin, avec son histoire, parce qu'en fait, c'est une entreprise familiale. Voilà. Et cette idée de la famille, elle est très importante. Et je trouve que dans la prise de conscience, c'est peut-être ce qui m'a le plus émue. C'est d'arriver à faire un travail ensemble, d'avoir la possibilité de créer quelque chose ensemble, en commun, et tout le monde s'y est mis. Il y a eu vraiment une participation commune extraordinaire, et des rencontres aussi avec, manuellement, je vais dire aussi, la main a été importante dans le travail. Il y a des choses qui ont été manipulées, qui ont été portées, qui ont été découpées, toutes les personnes, mais il y a des choses qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire qu'on a porté ensemble, qu'on a préparé ensemble. Alors justement, Claude, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, de votre côté, côté l'entrepreneur, comment cette prise de conscience que vous aviez à faire une artiste qui venait de temps en temps récupérer des chutes, comment finalement le contact s'est fait? C'est vrai qu'au départ, dans une entreprise de menuiserie, on avait un peu de mal à comprendre. J'avoue qu'on avait un peu de mal à comprendre qu'on pouvait s'intéresser autant à nos chutes de bois. Donc il y avait des morceaux de toutes les formes, toutes formes différentes. Donc pour nous, c'était vraiment du déchet qui devait partir. Et puis, avoir fouillé dans la caisse, tous nos ouvriers avaient remarqué. Et je leur ai quand même fait une petite explication en leur disant à quoi ça allait éventuellement servir. Et on arrivait au point qu'on a des ouvriers qui arrivent à lui mettre des pièces de côté aussi. Quand ils font des découpes et qu'il y a des pièces qui sortent, ils font un petit carton, ils mettent. Elle prend pas, mais en tout cas, ça a été préparé. Et c'est vrai que pour nous, petite entreprise, rencontrer une artiste ou un artiste, c'était vraiment très intéressant parce qu'on n'a pas forcément l'éducation à ça avec l'entreprise, avec une petite entreprise. Ça nous a ouvert finalement les yeux sur la collaboration qu'on peut avoir avec une artiste. C'est vrai que Cathy Gangloff, on la connaissait depuis, on va pas le dire, mais et finalement, quand la première édition s'est présentée pour l'industrie magnifique, ça nous a paru assez évident de travailler ensemble sur le projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que représente pour vos salariés le fait d'avoir intégré à un moment qu'une artiste pouvait s'intéresser finalement au surplus de ce qu'ils étaient en train de fabriquer, etc. Comment est-ce qu'eux ont ressenti ça et quel sens ça a pu donner finalement à leur travail? On se rend compte qu'ils ont pris eux aussi conscience que tout ce qu'on fabrique et qui n'est pas utilisé n'est pas toujours perdu. Et c'est vrai que l'artiste de ce côté-là nous a un peu ouvert les yeux en disant il y a peut-être... pas uniquement pour faire des pièces pour ses œuvres, mais aussi pour d'autres choses où on pourrait éventuellement récupérer de la matière, lui trouver une deuxième vie. Et c'est cette conscience-là qui était importante. Et je pense que tous nos ouvriers l'ont un petit peu intégrée. Très bien, merci. Juste une chose, oui, c'est Catherine, vrai qu'il y a un terme qui pour moi était important, c'est le terme de collage, pour préciser. Depuis très longtemps, je travaille sur le collage et on est déjà dans une rencontre. Et c'est vrai que la rencontre de chutes ou de morceaux plus nobles, c'est quelque chose dont on a discuté. Donc cet élément-là était important aussi dans les échanges qu'on avait, les échanges qui n'étaient pas uniquement sur
quelque chose que je prenais, mais aussi sur des mots qui étaient échangés ensemble. Oui, et après, c'est vrai que pour la première œuvre qu'on a faite ensemble, c'était aussi le principe de ces parties de collage. En fait, c'est parti de collage pour essayer de trouver la forme qui plaisait à l'artiste, qui nous plaisait et qui pouvait être représentative du travail finalement des deux. Très bien, merci. Fabrice Buzon, donc cabinet Walter. Donc, alors votre artiste n'est pas là, mais beaucoup de gens. Il est en visite. Voilà, il est en visite. Donc c'est Paul Flukinger qui est un sculpteur et un peintre bien connu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passée finalement cette rencontre avec lui et finalement pourquoi un cabinet de recrutement comme le vôtre a jugé que c'était intéressant de collaborer avec lui, de participer à cette manifestation? Alors, entre le cabinet Walter et Paul Flukinger, je dirais que c'est une belle histoire depuis plus de 20 ans. Paul est un artiste colmarien qui a migré vers la Lorraine. Donc c'est un Alsacien qui a fait le choix de vivre en Lorraine. Ça se fait également. Moi, j'ai fait le voyage inverse entre la Lorraine et l'Alsace. Et tous les deux, entre cabinet Walter et Paul, on travaille sur l'humain. Donc là, on voit l'œuvre avec le visage en triangle, c'est l'homme en devenir. Nous, on accompagne en fait des cadres, des dirigeants vers d'autres belles histoires. Et c'est vrai que Paul, il a ce souci du voyage. L'œuvre s'appelle « L'envol ». Et c'est véritablement comment on va se transporter et aller vers un ailleurs. Donc la conscience, elle est là. Et quand je suis au pied de la statue et que je rencontre les différentes personnes, que ce soit des enfants, on parlait justement de différents âges, là on voit c'est une œuvre qui est très abordable, qui est très picturale, qui voyage, qui fait voyager les différentes personnes, et il y a des perspectives différentes. C'est ça qui est important dans une œuvre aussi, comme pour nous, quand on travaille sur l'humain, on ne peut pas se focusser que sur un seul aspect de la personnalité. Là, on a envie de tourner autour et de voir les différentes dimensions de l'œuvre. Nous, c'est pareil en tant que recruteur. On aborde les personnes que l'on rencontre, donc justement sur différents aspects. Pour vous, dans votre démarche, le fait que l'œuvre, quelque part, fasse prendre conscience de ce qu'est véritablement votre métier, c'était quelque chose d'important. C'est essentiel. Voilà, c'est ça, c'est essentiel. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que Roger Walter, le fondateur du cabinet Walter, est un amoureux d'art, ce qui est le cas de Yannick Wellenreiter, mon associé, et moi-même. Donc c'est aussi une histoire personnelle, une passion. Je veux dire, on le voit, les dirigeants d'entreprises qui sont dans l'industrie magnifique, qui sont mécènes, c'est aussi une passion, c'est une envie de faire partager l'art à tout le monde, je pense. Ouais. C'est intéressant parce que je trouve que dans tout ce que vous dites, on sent que quand on parle de conscience, on parle de sens aussi. Et moi, ça me fait penser, donc il y a un proverbe bien connu qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, pour la science, ok, et pour l'art, donc. Est-ce que l'art sans conscience n'est que ruine de l'âme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais bien entendre les artistes là-dessus avant tout. Ouais. Par contre, il faut que tu prennes le micro. Est-ce que l'art, finalement, on a des grands débats autour de l'art. Qu'est-ce que l'art ? Est-ce que ça doit être beau ? Est-ce que ça doit vouloir dire quelque chose forcément ? Est-ce qu'il doit être simplement esthétique, conceptuel, etc. Donc, on dit de la conscience qu'effectivement, sans conscience, elle n'est que ruine de l'âme. Est-ce que l'art sans conscience n'est que ruine de l'âme? Est-ce qu'il faut toujours avoir de la conscience autour de l'art? Qu'est-ce que ça t'inspire? Catherine, me répond. Effectivement, c'est très délicat de parler de ça en peu de temps, parce qu'en fait, l'art, c'est aussi celui qu'on pratique lorsqu'on est artiste, mais à un moment donné, il y a aussi ce qui est extérieur, ce qu'on considère. Par exemple, nous aussi, comme artistes, on voit l'art des autres, les créations des autres. Ce qu'on vit nous-mêmes, c'est vrai qu'il y a en fait une solitude dans notre travail, parce qu'on est face à son expression, face à des problèmes, on va dire, techniques, hein, déjà, mais au niveau de la réflexion, on est parfois dans des...
je vais dire, des champs, des espaces différents selon les moments, mais aussi selon les périodes. Il y a des choses qui vont nous inspirer à un moment donné, qui vont tout d'un coup être comme des fulgurances. Et puis, il y a des choses qui sont persistantes et qui font que peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être une définition de ce qu'on appelle dans un vocabulaire, on va dire, commun, la personnalité ou le style d'un artiste, en dehors de toute technique, hein, mais de ce qui se dégage, en fait, de l'état d'esprit et de l'esprit qui apparaît au spectateur. Alors, moi, je dirais que pour contourner un petit peu la question, ce qui me semble important en tant qu'artiste, ma pratique et toute ma personnalité que j'essaye et de retenir et de révéler, c'est quelque chose qui m'appartient. Par contre, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est le retour, c'est-à-dire le regard que je peux avoir. Et là, eh bien, je sors de mon atelier, hein. Là je ne parle plus effectivement de mon espace clos, mais je parle de l'extérieur. Et l'industrie magnifique, en l'occurrence, est un extérieur, c'est un lieu d'exposition où on a tous les types de regards. On a ceux qui passent parce que c'est leur chemin pour le travail. Il y a ceux qui sont du quartier, qui y travaillent ou qui y vivent, qui vont avoir des horaires réguliers ou au contraire complètement irréguliers. Il va y avoir ceux qui y viennent, qui sont invités, ceux qui ne le sont pas mais qui viennent et qui découvrent. Donc autant de regards différents, et quand on a des retours, des regards, ça c'est quelque chose de merveilleux et de magnifique. Merci, et c'est vraiment l'élément qui me paraît le plus important dans ce que je vis actuellement et dans ce que propose l'industrie magnifique. C'est cette découverte-là et cette prise de conscience que on regarde, on nous regarde ou on ne nous regarde pas. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce cas-là. Il y a simplement peut-être des petits signes qu'on peut remarquer quand on est présent, qui sont juste des petites choses furtives et qu'on interprète chacun à notre façon. Merci Catherine. Fabrice, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais dire que pour Paul Flickinger, c'est exactement pareil. C'est comme Catherine. Il a besoin de laisser s'approprier les différentes personnes. Il y a un lâcher prise de son œuvre. Et pour lui, c'est essentiel que son œuvre soit sur la place publique et puisse être qu'il y ait un dialogue aussi, qu'il y ait une prise de conscience ou inconsciente par rapport à ce qu'il a voulu dire. Il fait passer un message. Après, c'est très personnel. Là. Je pense que chacun s'approprie le message que Paul ou Catherine ou Dorothée a voulu passer. Donc ça, c'est ce lâcher prise de l'artiste. Je pense que c'est important. Mais moi, je suis ravi de vos réponses parce que ma question était un peu provocatrice. C'est-à-dire que évidemment, en science, de dire que la conscience, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ça paraît une évidence. Et dans l'art, et là, je parle, je suis directeur de la publication Normand, mais je suis aussi galeriste et je fréquente beaucoup des artistes. Et ce qui est merveilleux chez les artistes, c'est que justement, il n'y a pas que le conscient qui intervient. Et Catherine, c'est exactement ce que tu disais ou que vous exprimiez par rapport au travail de Paul. C'est que je pense qu'un artiste, justement, il a cette liberté-là de faire parler pas seulement sa conscience. Il peut faire bien sûr des choses en conscience et en voulant donner un sens particulier à une œuvre, pourquoi pas avec une œuvre conceptuelle, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est capable de faire parler d'autres choses que ça. Et Catherine, moi c'est ce que j'ai compris dans ce que tu disais, c'est que de temps en temps tu vagabondes, c'est ton inconscient qui s'exprime, et voilà, et c'est peut-être la grande différence entre l'art et la science. Oui, et en même temps, en fait, ce qui se passe, c'est que on n'est pas forcément confronté à ceux qui regardent notre travail. Et ces occasions-là, en fait, nous font aussi voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous le dis là vraiment par expérience tout à fait récente, de tout à l'heure, j'ai suivi le regard de quelqu'un qui regardait la sculpture. Et j'ai été étonnée la manière dont il regardait, parce qu'il y avait un mouvement de tête, il y avait quelque chose qui faisait que, pourtant il était fixe, il faisait ça, il bougeait la tête, comme s'il regardait à l'intérieur en fait. Et ça, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, je me suis dit, waouh, regarder au-delà de ce qui est visible,
Alors ça, c'est assez incroyable. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, la prise de conscience de l'artiste, de ce qu'il a lui-même réalisé, peut être offerte finalement par le regard que Absolument. Porte l'autre, que porte le public sur son œuvre. Absolument. Le regard peut nous apporter quelque chose qu'on ne connaît pas et nous amener à avoir une sensibilité ou même des surprises, des étonnements et peut-être justement nous faire emprunter d'autres voies de réflexion. Voilà. Et puis forcément, du coup, peut-être ça peut jouer un rôle dans notre travail inconsciemment. Alors, Dorota, est-ce que tu peux nous partager ça ? C'est-à-dire, quand tu es dans ton atelier et que tu travailles, à ton œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit tes peintures, tes taureaux ou le monolithe, finalement, toi, tu es dans quel état d'esprit ? Et qu'est-ce que t'apporte finalement le regard, alors, de l'entreprise avec laquelle tu travailles, mais ensuite du grand public, de regard qui porte sur ton œuvre ? Est-ce que toi, ça te fait prendre d'autres prises de conscience ? C'est ça qui m'intéresse. Par rapport à ce que toi tu as voulu faire et ce que t'apporte ensuite le regard de l'autre. Il ne m'apporte pas d'autres prises de conscience. Il me rassure sur ce que je pense déjà. C'est que mon travail, tout d'abord, il part d'un espace que j'appelle l'espace cœur, même si la conscience dans mon art, elle est très importante. C'est très important, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une question subjective, le rôle d'un artiste, c'est de montrer à l'autre ce qu'il n'a plus le temps de voir dans le tumulte du quotidien. De ce côté-là, je me sens assez proche de Rilke, un poète allemand que je trouve... il me touche énormément, il dit que l'art c'est un appel, c'est une nécessité, c'est un destin qu'on prend avec son poids, sa grandeur, et aussi c'est un partage, on parlait du partage... L'art, mon art, il me rassure qu'on a encore les cœurs qui battent dans notre société des cœurs anesthésiés. Et je sais que je ne suis pas la seule à chercher cette émotion, à ce côté humain. Et c'est aussi une façon pour moi de permettre à l'autre un dialogue avec moi, de cœur à cœur, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, parce que je vois des gens devant mon œuvre et ils se parlent différemment, ils se regardent différemment. Donc l'œuvre, elle ouvre le cœur, elle ouvre peut-être la conscience. Ça dépend ce que l'on y met. Et j'essaye de transmettre des messages importants, qui sont du moins importants pour moi. Et pour moi, c'est ma participation au monde meilleur, au monde plus conscient, au monde plus aimant, plus bienveillant, plus tolérant. Oui, donc toi, ce que tu recherches finalement, c'est de voir dans la conscience qu'ont les autres de ton œuvre, qui partagent quelque part quelque chose avec toi et avec ce que tu as voulu y mettre, quoi. C'est ça qui est important. Oui. Très bien. Philippe. Alors, pouvoir passer énormément d'heures à contempler l'œuvre de Dorota, mais également d'autres œuvres. Et puis, personnellement, le point de vue technique, j'ai été fasciné par le public qui passait devant son œuvre, devant toutes les œuvres. Et lorsqu'on peut se prendre le temps de voir toutes ces différentes générations qui viennent, qui s'arrêtent, qui sont interpellées, c'est fascinant. Chacun trouve, s'approprie l'œuvre à sa manière. Il trouve une explication, un message. Et j'ai ce souvenir aussi d'enfants qui ont retenu leurs parents, qui ont fait demi-tour pour aller voir, pour se prendre le temps. Et puis une autre anecdote sur l'œuvre entre autres de Dorota, un enfant qui vient et qui se met contre le béton, qui écoute le son de la mer. Voilà, on a plein d'images de ce public, de toutes ces toutes les générations qui sont interpellées par les messages transmis par les différentes œuvres. Et ce en quoi l'industrie magnifique est vraiment un événement sensationnel. Et aussi pour les gens novices qui ne vont pas forcément voir les musées, etc., découvrent les œuvres et finalement sont attirés par quelque chose qui ne les intéressait pas avant. Oui, tout à fait, de la même façon, effectivement. Il y a des parcours, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, effectivement,
de gens qui restent éloignés et tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, qui approchent. Et puis, les enfants ont un rôle incroyable. Une anecdote, un papa avec son fils qui devait avoir 7-8 ans, il lisait le panneau. Et sur le panneau, je fais une proposition de tourner autour. Donc le papa lisait le panneau en disant, voilà, c'est une invitation à faire le tour pour voir les trois parties. Et le gars, ils sont ensuite montés tous les deux sur le vélo. Le garçon fait, papa, on fait le tour, hein, on fait le parcours, hein, on tourne, on veut voir autour, il faut voir autour. Et voilà, il y avait cette remarque qui semblait tellement évidente pour lui et qui était tellement évidente, effectivement, dans la réponse, leur réponse, en quelque sorte, à ce qui était dit là. Après, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être beaucoup plus de choses, bien sûr, qui ne sont pas dites. Mais chaque fois, je pense que ce sont des choses qui sont prises en compte et de façon extrêmement différente. Donc ça, c'est un enrichissement quand on peut assister à ça. Alors, moi, il y a une autre prise de conscience dont je voudrais qu'on parle, parce qu'il ne faut pas oublier que l'industrie magnifique, elle se tient avant tout sur la place publique, dans la ville. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui est extrêmement touchant, je trouve, c'est la prise de conscience qu'ont les gens de l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau regard qui est porté sur des lieux sur lesquels on passe tous les jours, que ce soit pour aller travailler, pour se balader, etc. Et moi, je suis complètement ébahi devant le regard qu'ont les gens, bien sûr, sur les hommes, et qui, du coup, découvrent souvent l'environnement autour de l'œuvre de manière différente. Et est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, cette idée d'avoir mis la collaboration entre un artiste et une entreprise dans l'espace public, c'est pas aussi quelque part ça qui donne vraiment le sens à cette collaboration? Parce que ils auraient pu imaginer faire ça dans des galeries, dans des musées, ou je sais pas, dans un espace dédié. Et moi, je trouve que le côté génial de l'industrie magnifique, évidemment, c'est d'avoir fait ça dans l'espace public et de permettre à tout le monde d'accéder à ça, d'accéder à la technique d'une entreprise qu'on connaît pas forcément, d'accéder à un artiste qu'on ne connaît pas forcément, et du coup, et de voir leur interaction dans un espace, en revanche, que le passant connaît ou qui croit connaître. Et ça, je trouve que, enfin, en tout cas, voir les regards des gens qui tournent autour des œuvres, comme tu venais de le dire, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, ça me fait dire que, moi, je pense que les artistes sont des gens qui peuvent faire changer le monde. Souvent, ils sont visionnaires, ils voient les choses avec leur hypersensibilité, ils voient les choses avant les autres. Et je trouve que c'est un geste très fort de venir mettre des œuvres d'art dans l'espace public dans lequel on vit tous les jours, qui devient quelque chose d'un peu habituel, qu'on ne regarde plus. On ne regarde plus les façades des immeubles devant lesquels on passe tous les jours. Et là, il y a vraiment quelque chose d'une prise de conscience. Et j'aimerais savoir comment vous interprétez ça et qu'est-ce que vous en pensez, aussi bien entrepreneur, enfin dirigeant d'entreprise qu'artiste, quoi. Moi, je trouve que effectivement, le fait d'avoir les œuvres sur les places publiques, je travaille beaucoup en ville, mais ça permet de redécouvrir la ville. Parce qu'en fait, le circuit qui est créé nous fait circuler à des endroits où on ne va pas forcément tous les jours, surtout quand on n'habite pas en ville. Et c'est vraiment très intéressant de redécouvrir la ville par ce biais-là aussi. Et puis en même temps, on arrive à découvrir les artistes et les œuvres qui sont forcément mises en valeur en fonction des places où elles ont été placées. En tout cas, je pense à Triadi qui a été placé à un endroit vraiment très symbolique. Je pense, hein, Catherine, que c'était vraiment très symbolique, absolument. L'emplacement. Oui. Moi, j'ai été très heureux par rapport à la première édition que le quai des Bateliers soit rajouté dans le parcours. Et c'est vrai que vis-à-vis de Jean, je lui ai dit, on veut absolument y être. Parce que le quai des Bateliers a une histoire aussi aujourd'hui. C'est une promenade magnifique. Et j'ai un ami artiste qui a 80 ans. Il a rencontré son épouse au quai des Bateliers quand il faisait ses études à la Cruteneau de médecin. C'était une promenade d'amoureux, donc il y a un certain nombre d'années. Donc on a retrouvé ça. Et c'est vrai que nous, c'était logique et évident qu'on devait être au quai des Bateliers. Et puis je pense
Je pense que Catherine aussi, par rapport au premier emplacement aussi, de venir, ou à la Cour du Corbeau, par rapport à Schmidt Group, je sais qu'au Bongard, très rapidement, ils ont aussi voulu se placer. Absolument. Bon, c'est vrai que le lien avec le lieu que j'ai connu à un moment donné, comme j'ai eu l'information, je savais que ça se passerait là, ça a été absolument magique de pouvoir travailler en fonction du lieu et de prendre conscience. C'est-à-dire que là aussi, je reviens au terme, c'est-à-dire que ça, je voulais absolument le dire. Quand j'ai su que j'étais sur la place Saint-Guillaume, j'y suis allée plusieurs fois. Je me suis imprégnée du lieu que je connaissais en plus particulièrement bien. Parce qu'en fait, entre la faculté, la fac Place Brandt, l'école des arts déco, et puis ensuite le lycée Fustel où j'ai enseigné, les trois lieux, c'était mon quartier en quelque sorte. Et donc cet échange, ce partage, et la conscience de l'importance d'un lieu à un moment donné dans sa vie, à la fois dans ma jeunesse, mais aussi à ce moment particulier et encore aujourd'hui, j'en ai tenu compte, bien sûr, dans le travail. Et là, ça a été un très grand partage aussi entre nous. J'en ai parlé aussi dans l'entreprise. Et je pense que là, on a tous senti qu'il y avait quelque chose à dire et que c'était vraiment quelque chose, c'était une œuvre commune par ce partage du lieu. Voilà. Merci, Catherine. Dorothée, fini. Pour moi, il est évident que de poser les œuvres d'art dans un lieu public, ça permet de redécouvrir le lieu différemment parce que déjà, ça nous permet de nous arrêter. En général, on passe et on ne s'attarde pas. On s'attarde pas et ces œuvres, je suis certaine qu'elles permettent aussi de créer des liens. Du moins, pour ce qui est la mienne, c'était une rencontre du voisinage, entre autres. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes me disaient « Savez-vous si ces œuvres pourront rester plus longtemps? Est-ce qu'elles ne pourraient pas y rester pour toujours ?» Et ça aurait été merveilleux. Ça, c'est une question qui revient souvent, effectivement. Tout le monde regrette que ça ne dure que 10 jours. Et c'est vrai que c'est 10 jours de fête, de joie. Et particulièrement cette année, je pense que tout le monde aurait souhaité que ça puisse durer, plus longtemps. Mais c'est vrai que... On voit que pour vous tous, le lieu est important, quoi, hein, cette inscription dans l'espace public. Oui, et Strasbourg s'y prête merveilleusement bien. Son architecture, ce n'est pas non plus une trop grande ville. On peut parcourir à pied toute la ville, découvrir les œuvres. Et comme pour ma part, redécouvrir Strasbourg. On est tout le temps en voyage, de par notre travail, etc. On ne se prend pas le temps. Et là, subitement, on se prend le temps. En plus, à ce moment... si précieux, on retrouve de la liberté. Oui, alors, et justement, je pense que ça aussi, le fait que ça vienne, que la manifestation intervienne juste après le déconfinement, et que, grosso modo, ce soit la première grande manifestation publique, je trouve que ça impacte encore plus le public. Et d'ailleurs, je me pose la question, je me dis, mais de la même manière qu'il y a une prise de conscience du grand public en vagabondant dans la ville et en voyant ses œuvres, je me dis que quand elles vont disparaître, quand elles seront retirées à partir de lundi, ça va sans doute générer quelque chose aussi. C'est-à-dire que je pense que quelque part, on crée une prise de conscience, on crée un choc, ça peut être un choc esthétique, ça peut être encore une fois un autre type de choc, mais je pense que on va créer une grande frustration à mon avis de voir ces œuvres disparaître, mais que du coup et ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas que, toujours dans la prise de conscience, ça ne pourra pas inciter alors, le grand public peut-être à aller voir plus d'œuvres d'art, aller plus dans les musées, aller plus dans les galeries d'art, les entreprises à s'intéresser plus aux artistes, à l'art, etc. Et peut-être les artistes aussi à se dire que finalement, le monde de l'industrie, le monde du tertiaire, le monde de l'artisanat n'est peut-être pas, l'ennemi et qu'on peut dialoguer avec lui et fabriquer des choses extraordinaires. On sait très bien que l'art subventionné et la culture subventionnée, c'est un modèle qui est en fin de vie en France. Les collectivités, qu'elles soient étatiques ou collectivités locales, ont de moins en moins d'argent pour ça. Et moi, personnellement, je suis un grand fan depuis longtemps des partenariats entre le privé et les artistes.
Et je pense que là, il y a peut-être quelque chose aussi à fouiller, Fabrice. Oui, oui, on le voit parce que nous, on est partenaire et mécène de l'AIR, hein, donc l'école d'art du Rhin supérieur. Et on le voit même auprès des jeunes, quand on arrive en tant qu'industriel ou entreprise, il peut y avoir une forme de méconnaissance. Et d'expliquer que les mécènes industriels comprennent l'art, ils ont aussi leur propre vision de chef d'entreprise, mais ils sont là pour accompagner l'artiste. Je pense qu'il y a quand même un travail de quelques minutes pour expliquer le sens, et après ils se laissent embarquer dans notre aventure, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire auprès des artistes. Tous ne comprennent pas forcément qu'on va dans leur sens et qu'on souhaite vraiment les accompagner dans leur création. Je vous rejoins parce qu'en tant que galeriste, je vois souvent, il y a encore une grande méfiance de beaucoup d'artistes par rapport au monde dans l'entreprise. Et je pense qu'effectivement, ce genre de manifestation comme Industrie Magnifique doit aider aussi à décloisonner un peu ces mondes-là. Et quand on entend les histoires de Dorota avec Philippe ou de Catherine, avec Claude, ou vous avec Paul, ça... Je pense que ça a donné vraiment envie, notamment à des jeunes artistes, de se dire il y a peut-être d'autres manières de financer, d'avancer, de montrer des œuvres d'art que simplement en allant dans des institutions ou dans des centres d'art. Et je pense qu'effectivement, par rapport à ce qu'on vient de dire, non seulement l'implantation dans la ville de Strasbourg, où les places sont très différentes, où il y a une variété du coup de création et d'équipe, de travail à l'intérieur de chacune des créations, il y a du coup une ponctuation qui fait qu'il y a une diversité et une richesse de regards possibles et d'interprétations possibles et du coup une grande ouverture. On est là dans quelque chose qui s'ouvre et qui amène de la générosité. Voilà. Et j'espère que cette générosité, elle ira aussi dans l'approche des choses et puis dans la réflexion. Voilà. Et beaucoup de bienveillance aussi. Et beaucoup de bienveillance, absolument. Alors c'est Jean Spenel qui doit être très content parce que quand il entend rencontre, bienveillance, générosité, je pense qu'on est vraiment sur les thématiques qui lui tiennent à cœur. Et bon, je le connais depuis longtemps et je sais qu'est-ce qui a guidé la création de l'Industrie Magnifique et ce qui l'enthousiasme finalement dans cette manifestation. Et je crois que ces valeurs-là et la prise de conscience de ces valeurs-là, à la fois pour le grand public, pour les mécènes, les entreprises et pour les artistes, c'est fantastique. Et peut-être même qu'on peut espérer une prise de conscience de la part des politiques, parce que finalement, cette manifestation, elle se tient dans l'espace public avec, on va dire, la bénédiction des élus, des politiques, et il est à espérer que nos élus prennent aussi conscience de tout ça, et que finalement, la rencontre, c'est la base. Enfin, c'est ce que je retiens de ce que vous avez tous dit. Ce qui est la base, c'est la rencontre. Voilà, c'est aller vers les autres, c'est accepter de faire dialoguer des mondes qui apparemment, au premier abord, paraissent opposés et qui finalement dialoguent très bien et qui arrivent à faire des choses ensemble. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la ville, je pense qu'effectivement, on peut tous en être convaincus. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sur le thème, Philippe? Ce que je voulais dire aussi, par industrie magnifique, le public pensait souvent les grandes industries, 1000, 2000 personnes, etc. Et quand on voit l'industrie, ce sont des petites PME, hein, comme oui, nous, on est une toute petite entreprise. Qui s'allient à l'art et qui permettent de réaliser en commun des exploits. Hein, sans qui, souvent, ces petites PME sont là, sont présentes, sont actives. Et ce n'est pas forcément le fait d'être une grande entreprise, un grand mécène. Nous sommes aussi des petits mécènes et qui permettons aux artistes de s'exprimer. Et moi, si je peux rajouter encore quelque chose par rapport au fait de décloisonner. Moi, je pense qu'il faut décloisonner dans notre société tout ce qu'on peut décloisonner. Et il faut informer, éduquer, informer. Et c'est ce que l'Industrie Magnifique fait, de par leur exemple. Elle montre que c'est possible de décloisonner et de réaliser ensemble quelque chose de magnifique. Merci Dorota. Écoutez, merci à tous. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une discussion très intéressante. Et on vous invite bien sûr tous à découvrir, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, lors de ce dernier week-end,
toutes ces œuvres donc, qui sont exposées dans, dans la ville. Il y a aussi des lieux indoor que vous pouvez visiter. Tout le programme, bien sûr, sur le site de l'Industrie Magnifique. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.